Les conditions qu'on trouve ici ne sont pas forcément celles qu'on va retrouver là-bas. Donc voilà, je me sens plutôt prêt et avec l'envie aussi de découvrir la course aussi. On a navigué dans le coin, on a préparé le Vendée Globe, mais on n'a pas pu participer aux autres courses. Il y a ceux qui vont au bout de leur rêve d'enfant et ceux qui abandonnent en chemin. Cela tient parfois à peu de choses. Un peu plus de conviction, un peu plus de chance, un trait de caractère. Le rêve de Nicolas Troussel, ce n'était pas de gagner le Vendée Globe, mais de le faire. Si sa chance à lui est arrivée tard, il le doit aux mêmes raisons qui l'ont conduit à refuser de ne plus y croire. Un rapport intime et viscéral à la mer, qui le rend bien plus à l'aise dès lors qu'il navigue loin des côtes, à l'écart du monde. Plus il navigue vite, même dans des mers démontées, plus ce sentiment de fusion avec son élément est fort. Courir le Vendée Globe sur un bateau de course dernière génération, ce n'est pas juste se donner la chance de gagner cette compétition. C'est pouvoir aller au bout de lui-même et du rêve qu'il a construit. La 7, je vais la mettre là. Il n'a pas, lui, besoin de parler de ce qu'il a fait de la journée. Tu as pas mangé dans... En tout cas, il arrive bien à compartimenter parce qu'on lui pose beaucoup de questions, mais lui, il préfère garder son domaine de côté et pas forcément nous en parler, en tout cas. Elle apprend plus de choses quand j'ai des copains qui viennent à la maison et du coup, j'ai oublié de répondre à leurs questions et du coup, c'est là où... Où Yann écoute ses conversations téléphoniques des fois. Et comme ça, après, il vient me... Nicolas pense au Vendée Globe depuis des années. Il s'y intéresse, c'est une passion. Les éditions 2000, 2004, 2008, je faisais des routages pendant les courses, je suivais toutes les vacations. Nico, il y va avec sa sensibilité du moment, avec sa façon de raisonner. Et je pense que c'est d'ailleurs comme ça qu'il a gagné De Figaro. Après ces deux victoires, le Vendée Globe, cette volonté s'est affirmée de plus en plus. 2012 et 2016, j'ai eu un petit peu plus de mal à suivre parce que j'étais un peu... déçu et parfois je suis presque aigri de pas y être, donc du coup c'était dur de les voir partir et de les voir vivre ça en restant au port. Pas forcément évident parce que c'est pas un projet qu'on arrivait à sortir de nos têtes et surtout lui quoi. Je sais pas s'il y croyait plus ou pas, il a jamais réussi à se résigner. C'est un rêve en fait. Depuis que je suis avec lui, c'est vraiment le but, tout ce qu'il fait, toutes ses navigations, toutes les courses, tous ses projets étaient tournés vers ce but ultime de faire le Vendée Globe. Yann est obligé de manger proprement. C'est pas toujours simple de manger tous les cinq. Tant que chacun s'exprime et que ça finisse un peu... non, c'est plutôt sympa. Les repas n'ont jamais été aussi calmes. Sportivement, ça fait longtemps que j'y suis prêt, mais il a fallu un petit peu plus de temps que prévu pour y arriver. Ça a été long.
On a clairement eu l'emploi du temps fortement contrarié par des dossiers d'étanchéité et le dossier système de foil. Je pense qu'à 2 mois, on n'imaginait pas qu'on en serait là aujourd'hui. C'est des imprévus qu'il faut gérer en équipe. Moi, je vous remercie de contribuer à bien le gérer. On va s'arrêter là. Là, on fait un avitaillement pour 8 jours. Et cet avitaillement-là, on le fait pour la qualif de Nico, parce qu'il a 2000 milles à faire en solitaire pour se qualifier pour le Vendée Globe. Tout a été vraiment calibré pour des besoins quotidiens avec l'aide d'une nutritionniste. Là, par exemple, ça, c'est un plat lyophilisé. C'est un plat qui a été complètement déshydraté, en fait. Pour préparer le Vendée Globe, il y aura un avitaillement d'environ 80 jours à faire. Donc, en gros, ça va être 10 fois ces volumes-là. Il y a un support qui est tout en haut du mât, qui tient le feu et l'antenne VHF, qui s'est désolidarisé du mât. Là, c'est bien que ça ait cassé, comme ça on peut le réparer et le solidifier pour que le bateau puisse partir en qualif. On est sur l'idée qu'on s'est fait une plaie, qu'on est en course. Il faut que vous appréciez le temps qu'il vous faut pour sécuriser le bateau. Est-ce que c'est le moment de s'occuper de cette plaie ou pas? Si elle est importante, il va falloir qu'on regarde de plus près ce qui se passe dans cette plaie. Nico part en solitaire sur ce Vendée Globe, évidemment. Mais après, il sait que l'équipe qui est à terre reste avec lui. Alors, évidemment, toute assistance est interdite. Si vous avez sectionné un tendon ou un nerf, c'est un motif d'évacuation sanitaire. Parce que si on ne le fait pas dans les heures qui suivent, ou dans les jours qui suivent, et ben on a un déficit fonctionnel qui va s'installer pour tout le temps. On a interdiction de donner quoi que ce soit, question stratégie, météo, routage, trajectoire. Ça c'est... Voilà, là, c'est sectionné. En fait, alors là, c'est là la où ça s'aigle. C'est ici, là. Médical, il y a un canal d'assistance via l'organisation. C'est en dehors de moi. On injecte, et vous allez voir que sous la peau, ça va se soulever. Ça gonfle, non? Vous allez voir les bateaux qui vont continuer à passer pour aller prendre le départ de la Vendée Arctique au sable. Pourquoi on ne la fait pas? Je pense que c'est le mode à retenir et pas trop se laisser absorber par l'extérieur. On choisit notre mode avec nos priorités sur lesquelles on bosse le mieux possible. Et il y a une chose qu'on ne maîtrise pas, c'est le nombre de jours qu'il nous reste jusqu'au départ du Vendée. Il y a une chose qu'on maîtrise, c'est ce qu'on en fait. Avant, quand on partait au Vendée Globe, on savait que le bateau il avait quelques milles au compteur. Depuis 2-3 générations, ça change, les projets deviennent beaucoup plus techno et avec beaucoup moins d'heures de navigation. Donc ça devient des bateaux un peu de RRD. D'habitude, quand on fait de la compétition, il faut qu'on se confronte. Il faut qu'on voit, faut qu'on se jauge, savoir où est notre niveau, que ça soit technique ou en termes de navigation. Le soleil vient de se coucher. Et nous, on va pas encore aller se coucher, on va continuer à bosser. Lui, à l'heure actuelle, il a refusé tout contact et toute confrontation parce que le timing était court, donc il a bien mis les priorités là où il fallait les mettre. C'est d'abord valider le bateau, faire ses armes. Parce que ça donne une petite ambiance de nuit. Et voilà, les bateaux, il faut les préparer, c'est des prototypes. Et jusqu'au dernier moment, on a toujours des surprises. Et d'abord, il faut se fiabiliser, faire le fonctionnel, et après monter son niveau sportif. Dans mon trou, ma salle pour veiller. Et bah, lui, elle était assez tranquille, donc j'ai pu dormir. Je me prépare à essayer de le faire et de le vivre du mieux possible. Et de prendre du plaisir à le faire. Et en tout cas, mettre toutes mes chances de mon côté pour je me répète, mais pour le finir. Hier soir, on a changé d'option là, pour le parcours pour faire la qualif parce que on allait se retrouver englué dans l'anticyclone des Açores. Petit matin. Pas tout seul aujourd'hui. Ça va? Tout le monde? Ah, nickel. Belle dame. C'est bon. C'est fait. Toi,
Bonjour Nicolas.